Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, la commune qui vaut le détour, c'est Vannes, une ville de près de 55 000 habitants. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir ses facettes, ses atouts et son dynamisme. David Robot, vous êtes le maire de la ville depuis 2011. Cette ville, vous la connaissez bien, ça fait longtemps que vous y habitez. Pour vous, qu'est-ce qui fait son premier atout? C'est son patrimoine historique ou sa situation géographique? Ses habitants qui font son atout. Je pense qu'on a une ville à taille humaine, 55 000 habitants. Effectivement, vous le soulignez, un patrimoine assez exceptionnel. La situation au bord du golfe du Morbihan. Mais je pense qu'il y a un état d'esprit vannetais. Je pense qu'on est heureux de vivre ici, heureux d'entreprendre ici, heureux de venir s'installer. On accueille chaque année beaucoup de nouveaux habitants, que ce soit pour le travail, pour les études ou pour passer sa retraite. Et je pense que les gens sont heureux ici, bien sûr. Tout n'est pas rose, je ne vais pas vous dire le contraire, mais je pense que voilà, il y a un certain un certain savoir-être qui fait que Vannes c'est particulier. C'est une ville où il fait bon vivre et où on se sent en sécurité? Alors en sécurité, malheureusement, comme beaucoup de grandes villes en France, on est confronté à des problèmes de délinquance. On a mis en place effectivement un peu plus de vidéoprotection. Nous avons armé la police municipale depuis maintenant 18 mois. Nous travaillons avec les forces de police nationale. Pour autant, c'est un travail au quotidien difficile. Beaucoup de Vannetais pensent qu'on est dans un village. Et non, c'est plus un village, Vannes. C'est une ville où il y a beaucoup de populations différentes qui se côtoient, beaucoup de visiteurs, beaucoup de touristes. Donc, mon travail au quotidien, c'est effectivement d'assurer la protection des Vannetaises et des Vannetais. Alors, il y a une offre de services qui est très diversifiée. C'est ce qu'on va découvrir dans cette émission. Et vous, on vous retrouve à la fin. Merci. Merci. Patrick Le Toquin, qu'est-ce qui est fait en matière de gestion des espaces verts pour préserver la ville? Donc, la ville de Vannes s'est engagée dans une démarche de développement durable qui favorise le retour de la nature en ville et de la flore et de la faune. Et ceci se traduit par quelques actions simples, qui est par exemple le choix de plantes qui vont s'acclimater au changement climatique et par le changement de pratiques telles que par exemple le désherbage manuel en substitution des produits phytosanitaires. Le fait par exemple d'utiliser les déchets de taille pour composter en compostage et aussi en paillage de nos massifs, ça limite le développement par exemple des plantes adventices. L'idée, c'est d'impliquer aussi les Vannetais dans cette gestion verte de la commune. Aujourd'hui, pour l'entretien des espaces publics, on est confronté à l'interdiction d'utiliser les produits phytosanitaires. Donc on invite les Vannetais à concourir et non seulement à entretenir l'espace qui est devant chez eux, mais aussi à l'embellir, par exemple, par des fleurissements en pied de mur. Et ceci se traduit dans le cadre de deux journées qui sont organisées annuellement par la direction de la communication. Vannes est une ville verte, mais c'est également une ville connectée. Elle a le label 5@. Muriel Rimbaud, quels sont les différents outils numériques à disposition des Vannetais pour leur faciliter le quotidien? Par rapport aux différents outils qu'on a pu mettre en place pour les usagers, on va retrouver notamment un bouquet d'une trentaine de téléservices. Alors, quand on parle de téléservices, on parle par exemple classiquement des demandes de carte d'identité ou des demandes de passeport que vous allez donc pouvoir faire en ligne sans forcément être obligé de vous déplacer dans la mairie. Mais on va aussi retrouver tout ce qui concerne l'abonnement de l'eau, les relèves des compteurs ou plus spécifiquement concernant les enfants, vous allez pouvoir retrouver les inscriptions sur les ALSH ou les inscriptions à la restauration scolaire. Donc tout ça, tout ce bouquet de téléservices est disponible sur une plateforme qui s'appelle Vannez-vous. Tout le monde n'a pas des facilités avec Internet, ils peuvent être accompagnés justement sur cette application? Alors oui, quand les personnes ont des problèmes potentiellement avec soit les outils qu'ils peuvent avoir à disposition, ils ne savent pas effectivement comment ouvrir une boîte mail ou ils ne savent pas comment utiliser leur ordinateur, on a des agents qui sont là pour les accompagner, pour les aider dans les démarches qu'ils peuvent réaliser ou dans l'usage même de leurs outils. La ville de Vannes est une ville pour tous, avec une offre complète de la petite enfance jusqu'à l'entrée en sixième. Effectivement, la ville de Vannes a pour ambition de proposer de mettre en œuvre un parcours au profit des enfants et de leurs parents, de la naissance jusqu'à l'entrée en sixième, sachant qu'ensuite l'accueil se poursuit au collège, au lycée, éventuellement en études supérieures, puisque l'offre est également existante. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'accent est mis sur la proximité et on s'adapte aux horaires des parents.
Absolument. Vous trouvez à Vannes une structure d'accueil quasiment dans chacun des quartiers. C'est la volonté des élus de trouver un multi-accueil, une école, un centre de loisirs, effectivement, à Vannes facilement. On s'adapte également aux contraintes des parents. Lorsque, par exemple, ils sont confrontés à l'obligation d'être en horaire atypique de par leur activité professionnelle, une possibilité en structure, avec des partenariats autres, la possibilité effectivement de faire garder ses enfants plus facilement est offerte. Vannes, c'est aussi ses quartiers. Il y a un terme qui vous tient tout particulièrement à cœur, c'est celui de proximité. Tout à fait. Proximité donc à l'égard des habitants. Et ça se traduit d'abord par la création déjà ancienne de centres sociaux sur les quartiers prioritaires que sont Kercado et Minimur. Et plus récemment donc sur la création d'un centre social donc sur le quartier de Rang-Madeleine. Alors le centre social, ce n'est pas uniquement l'accueil de jeunes, mais c'est aussi un équipement structurant qui fédère l'action de la collectivité donc auprès des habitants et auprès des familles. Alors ces habitants, justement, de quelle manière ils s'impliquent tout au long de l'année dans la vie de ces quartiers? Ces équipements donc, ont généré la possibilité de créer donc, des événements de quartier, hein, donc des événements festifs. Et plus récemment, la collectivité donc, a créé ce qu'on appelle des conseils de quartier. L'existence de ces conseils de quartier a eu pour effet donc, de générer donc, une dynamique, une participation citoyenne, et se concrétise aujourd'hui par l'existence et l'émergence hein, d'un certain nombre de projets qui sont à l'initiative des habitants. On pourrait citer très récemment la création d'un parcours sport-santé ou encore, et là c'est plus ancien, donc, dans les centres sociaux, l'existence de fêtes de quartier qui sont directement donc, à l'origine des familles et des habitants. On pourrait citer sur Kercado la fête des Vallons ou encore sur Minimur le carnaval qui est un grand événement annuel. Vannes est une ville également à l'écoute de ses seniors. Christelle Frossard, qu'est-ce qui est mis en place au quotidien pour leur faciliter la vie? Alors le CCAS a mis en place des services qui soutiennent les seniors dans tous les moments de la vie. À domicile, on a un service complet de prestations qui propose du portage de repas à domicile, des aides ménagères et aussi des auxiliaires de vie. On propose aussi deux résidences dans lesquelles les Vannetais peuvent venir habiter. Une résidence autonomie au centre-ville qui accueille des Vannetais autonomes mais qui veulent vivre un petit peu en collectivité. Et puis une maison médicalisée qui est toute neuve, l'EHPAD Sabine de Nanteuil. Tous ces services permettent de soutenir et les seniors et leurs familles à tous les moments de la vie. Alors, en dehors de ces services, il y a plein de rendez-vous qui sont à destination des seniors tout au long de l'année. Qu'est-ce qui leur est proposé par la ville? Ça va des ateliers numériques, à des ateliers sur la mémoire, des ateliers équilibre pour continuer à être actif et se mobiliser sur le sport santé. Donc c'est des événements qui sont plus ou moins longs, qui ont lieu à différents moments dans l'année. Donc tous les renseignements sont disponibles au Centre communal d'action sociale. Et puis deux fois par an, on met en place une collecte des déchets verts pour faciliter le maintien à domicile des plus de 75 ans. Vannes est une ville aussi réputée pour ses sports, où on connaît le VOC, le RC Vannes. Bruno Le Gall, il n'y a pas que ces deux sports dans la ville quand même. Non, il n'y a pas que ces deux sports. Vous avez des équipements majeurs comme la salle Omnisport de Kercado pour les sports couverts. Hand, basket, volley. Et vous avez un équipement majeur de premier plan également qui vient de s'ouvrir, qui s'appelle le skatepark et qui est déjà fléché par la fédération de skate comme un équipement de premier niveau pour l'entraînement de futurs professionnels. À côté de ça, vous avez 30 installations couvertes, 50 installations de plein air. On va y trouver des terrains de foot, des terrains de rugby, des salles d'escrime, des salles d'arts martiaux, etc., etc. Multisports et deux piscines, dont une piscine pour moitié de son temps consacrée au club aquatique. Les Vannetais sont des sportifs, il y a des rendez-vous aussi qui sont à leur destination tout au long de l'année. Vannes est réputée comme une terre d'accueil de sport, alors les installations s'y prêtent, l'environnement également à proximité du golf, la multiplicité de nos chemins pédestres, on a le marathon de Vannes, on a l'ultra raid marin, on a également des tournois professionnels de basket chaque année à la salle Omnisport, vous avez ici des rencontres internationales de rugby et de football, on a également un parcours santé qui vient de s'ouvrir pour la mise en forme des athlètes et on a accueilli très récemment la Coupe du Monde U20 des féminines ici sur ce stade de la Rabine. Anaïg Limpler, quels sont les différents rendez-vous organisés par la ville et qui aujourd'hui font sa notoriété?
Alors on a des événements en fait tout au long de l'année, ils sont tous gratuits. Ils se déroulent principalement en centre-ville et dans les quartiers. Les événements principaux qui font partie de la notoriété de la ville de Vannes sont son festival de photographie, mais également son salon végétal, son salon littéraire et puis son festival de jazz. Alors vous parlez de rendez-vous gratuits, l'idée c'est de pouvoir rendre la culture accessible à tous. C'est exactement le projet en fait, c'est de pouvoir être accessible à tous, que chacun y trouve un centre d'intérêt et aussi de faire découvrir d'autres horizons à des personnes qui n'ont pas forcément un intérêt pour la culture ou aussi pour le sport. Donc c'est la politique de la gratuité qui nous permet ça. Alors vous parliez des quartiers, il y a aussi les associations que vous accompagnez d'un point de vue événementiel. Qu'est-ce que vous mettez à leur disposition pour les aider à mettre en place différents événements ? On a un rôle à la fois de conseil et puis aussi une plateforme d'entrée par rapport aux demandes de la ville, plateforme pour les demandes logistiques, les demandes réglementaires. Donc on essaye en fait de simplifier l'organisation des manifestations associatives à la fois pour le public vannetais et puis aussi pour les services de la ville. La ville de Vannes possède une offre culturelle très diverse. Françoise Berrétreau, il y a trois lieux principaux d'exposition ici. Oui, plusieurs lieux avec des collections très variées, très riches. Donc il y a le musée d'histoire et d'archéologie à Château-Gaillard où on peut y découvrir les collections de la Société polymathique du Morbihan et des collections d'archéologie. Il y a le musée des Beaux-Arts, donc sur le site de la COU, qui lui présente des collections à la fois régionales mais aussi des collections d'art contemporain. Et laisse ses portes ouvertes aussi à des créations artistiques contemporaines. Et tout récemment, l'hôtel Limur qui a ouvert ses portes avec une exposition consacrée au patrimoine. L'idée, c'est de proposer à travers ces différents lieux, à travers ce patrimoine, une culture pour tous, accessible à tous. Oui, bien sûr, ce que l'on vit, c'est un large public, hein, du tout petit jusqu'au senior, et il y a des visites spécifiques pour cela. Et puis, un appel au large public, à la participation de ce public de plus en plus, notamment pour l'exposition à Limur, et aussi la gratuité, notamment à l'hôtel de Limur et dans le passage central du musée des Beaux-Arts, la COU. On va terminer avec vous sur Vannes, qui est une ville en pleine mutation. Quels sont les principaux projets pour les années à venir ? Alors, en mutation, mais en équilibre. Je pense que je dis souvent que Vannes, c'est le mariage de la modernité et de la tradition. Il faut bouger pour avancer, parce qu'une ville qui ne progresse pas, qui ne change pas, elle meurt. Et le grand projet, effectivement, pour les prochaines décennies, c'est la rive gauche du port. Aujourd'hui, un lieu de promenade, un lieu où il y avait des administrations par le passé. Aujourd'hui, il y a un musée de street art, mais c'est appelé à évoluer. On choisira avec les Vannetaises et les Vannetais, dans le premier semestre 2019, un opérateur pour mettre des équipements publics, pour refaire le chemin de halage, pour mettre, je l'espère, un hôtel, des logements, mais aussi, pourquoi pas, une crèche ou des aires de jeu. La page est blanche aujourd'hui. On attend des grands groupements internationaux qui sont candidats, effectivement, des idées, des propositions, parce que Vannes le mérite bien, et je pense que ce sera le miroir ou le pendant de la rive droite du port, l'esplanade Simone Veil, qui je pense aujourd'hui est une vraie réussite où les gens ont l'habitude de se retrouver pour plein de manifestations. Merci beaucoup David Robon de nous avoir accueillis dans cette ville de Vannes. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain numéro très vite.